Sarah. J'adore. Marine, putain. Il y a quoi dedans? Charlotte, c'est de la viande. À l'intérieur. Moi j'ai dit Marine, putain, mais on va pas dire ce que ça veut dire. Bah c'est... Ma inex. So my name is Chef Gabby Prats. I'm going to be doing a very short demo. Tenga ng baboy. Yeah. Hey yo, it's Lavina Nage and welcome to this new video vlog where I'm going to make French people try street food. And since it's summer, fait un petit peu trop chaud, super ma inédit tout ça Paris, so I'm going to use this umbrella Filipino style. We are going to this event called Village de la Gastronomie au pied de la Tour Eiffel and we are gonna meet the titas out there who represent the Philippines and we're gonna see the reactions of French people trying Filipino street food. So tara, let's go. Là, on est à Trocadéro, l'itolat mga Pilipino ng susugal. Et voilà, nandito po tayo sa Trocadéro, near the Eiffel Tower, au village de la gastronomie. C'est un event, a festival, that showcases all the cuisine of the world, and you have the Philippines! Aïe, ne dors pas. Juste là, donc représente les Philippines, mais on a aussi le Brésil, Portugal, Indonésie, Madagascar. But today we're gonna visit the titas of Paris who made some street food Filipino delicacies. So let's go. L'Algérie. C'est eux qui ont le plus d'ambiance. C'est ça. Bravo la Thaïlande. Bravo. Bravo. Ça y est. We found the food stall of the Philippines. C'est celui où il y a le plus de monde. Donc là, on va aller voir les titas. J'ai reconnu déjà certaines têtes. Et titikim na tayo. Et on va faire goûter aussi aux gens, voir leurs réactions et tout. Madame Oda, elle est au taquet. Oui, ça va et toi? Regarde, on a barbecue. Notre égyptienne préférée. Ça va, il fait chaud, les calories sont en train de partir. Comment on dit il fait chaud en philippin? Ma inet. Vas-y, dis. Ma inet. Ma inet. Là, oui. Oh, boy. Toi? Ouais. Masarap. Masarap, very good. Yes. Super, masarap. Kain tayo. Bon allez, big challenge, on va essayer de faire goûter les brochettes de street food Tenganang Baboy for free ici. On va voir si elles sont chaudes. Ah, j'ai peut-être quelqu'un qui est courageux ici. Allez monsieur, je sens que vous avez un petit, une petite curiosité. Non, non, mais j'ai de la glace. Oui, mais la entre glace. Justement, parce que si vous aimez pas, bah du coup vous avez de la glace quoi. Et si vous aimez, bah tant mieux. Il faut être courageux. On est là pour découvrir. J'offre une petite brochette et puis ça c'est la sauce. C'est au pain. Après la glace, le pain. Non. Alors, vous en pensez? Ouais, la marinade. Finalement ça passe après la glace. Ça va. Ça va. Vous savez ce que c'est? Je pense que c'est oreille. Non. À quoi? L'oreille, ouais. Bien vu, c'est ça. Ouais. Alors plutôt pouce en l'air ou comme ça? Ok, trop bien. Alors et vous, est-ce que vous voulez accompagner votre acolyte? Ouais,
pouvez partager. C'est bon. Avec la sauce si vous voulez. Comme ça, il y a un petit vinaigre, un petit goût vinaigré. Vous avez pris ça, ouais. Je suis aux Philippines. Mais si vous voulez, madame, je l'offre. Oui, je l'offre. Venez. C'est les de porc. Voilà, c'est ça, les oreilles. En Espagne, on mange ça. C'est vrai. Oui, on aime parce que les Philippines, c'est une ancienne colonie. Bah, oui. Et, voilà, mais il y a l'héritage. Ouais. Trop bien. Bah, tenez, on offre. Venga. Venga. Vale, vale. De nada. Du coup, si je peux juste avoir réaction. Mmh. Oui, ouais. J'adore. En philippin, c'est masarap. Masarap, masarap. Très bien, merci. Du coup, monsieur, alors. C'est bon, c'est bon. Les goûter avec de la sauce. Oui, c'est. Allez, il a la technique de la brochette. Je suis gentil, moi. Je vais mettre bien la brochette. Allez. Oui, c'est une des deux, c'est bon, ouais, ça va bon. C'est pour cette raison. Ouais. Il faut, on doit épouser une Philippine. Ah ouais, ouais. Il cherche une femme philippine. Est-ce qu'il y en a une femme philippine? Ah, peut-être, on peut aller voir et se présenter. C'est quoi votre prénom? John. John. Je vais ramener un CV. Ah oui, bah voilà. John est disponible, interested. Je vais ramener un CV. Allez. Ça, c'est un plat philippin. Ça s'appelle Tenga Nang Baboy. Tu peux le dire? Tenga Nang Baboy. Voilà, c'est ça. Bon, bah, je te laisse goûter. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. C'est bon? C'est du porc. Ouais. Et la pâtisse de l'oreille. Ouais, c'est ça, tu connais bien. Alors, t'aimes bien ou t'aimes pas? Comment t'aimes pas? J'aime pousse en l'air? Allez! T'en veux encore? Vas-y, prends tout. Avec la sauce. Avec la sauce, hein, c'est mieux. Et du coup, en philippin, on dit masarap quand c'est bon. Masarap. C'est bien l'origine. Ivoirien. J'ai une copine, elle est ivoirienne et philippine. Les deux. Waouh, bonjour! Tagasan kayo? Quoi? Philippine? Oui, mais ça, Ansa Philippine. Manila. Ok. Alabang. Muntinlupa, Las Piñas. Paranaque. Paranaque. Miss Paranaque. Kayo po Manila. Las Piñas. Las Piñas, ouais. Alabang Town Center. Kasi meron punta sila kay mama mo kasi excess baggage sila. Okay. Punta kami ng metro and they buy a lot and they... We're sending some to your office. Oh, thank you. Salamat po. May inicha. Tignan mo. Ano po to? Chicken barbecue. Wow. Yeah, it's just chicken barbecue. Aristocrat style. Welcome to Islas Filipinas, the Philippine booth. So my name is Chef Gabby Prats. I'm going to be doing a very short demo on a very iconic Filipino dish. It's very simple but packs a lot of flavor. With chicken barbecue, java rice, and peanut sauce. Alors, vous en pensez quoi? C'est excellent, hein? C'est la première fois. Vraiment incontournable. On dit en philippin masarap. Masarap. Yeah. Ouais, ça te plaît? Tu valides? Pousse en l'air. Partie 2 avec Yanis parce qu'il est le plus courageux et le plus gourmand. Ça, c'est un deuxième street food philippin. Donc je te laisse prendre une petite fourchette. Je pourrais pas tout finir cette fois. Ça, c'est piquant. Hein. Ouais. Déjà, tu te souviens du mot? Il essaye de deviner les ingrédients. Viande hachée d'abord. Viande hachée. La viande hachée, ouais. Carotte. Ail. Un peu de persil. Ok. Hey, il a le goût, hein, futur chef. Ah. La pâte est faite de farine. Comme on fait les pâtes. Ouais.
maintenant, je vais te présenter le plat. Donc, ça s'appelle le shomai. Shomai. C'est un héritage chinois. La cuisine philippine, c'est un mélange de Chine, espagnol. Donc voilà, tu auras goûté une spécialité chinoise. Ouais, deux spécialités. Et peut-être qu'il y aura une partie 3 et 4. En tout cas, il est là, il est chaud. Bah alors, masarap ou pas masarap? Masarap. Yeah. Je masarap. Je vais goûter d'abord. Ça marche. Quelle sauce? Allez. Ouais, souvent les sauces ça rajoute, ah oui, ça change tout. Et la sauce de quoi dedans? Alors, on va voir s'il va deviner un petit peu. Il y a du vinaigre. Vinaigre blanc? Vinaigre blanc, sauce soja, piment, ail. Ça vous plaît? Ben, je vous apprendrai un mot en philippin, c'est masarap. C'est bon. Vous voulez le dire, hein? Ouais. Masarap. 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 Un autre mot aussi, c'est mahalkita. C'est vous pouvez facile. Dire là? Mahalkita. Super. Mahalkita, elle m'a dit de dire mahalkita, mais elle m'a pas dit ce que ça veut dire. Bah ben, c'est que de l'amour. Voilà. C'est la vraie traduction? Ouais, c'est okay. Ça. On est réunionnés. Ah bah c'est bon alors, on partage les mêmes valeurs. Masarap. 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 Vous après ce studio, on va faire goûter les tartes à l'érable. Ah trop bien. Canadienne. Mais ouais, un échange. Voilà. Bon bah allez-y. Échange musiculturel, n'est-ce pas mademoiselle? Génial. Alors il y a quoi dedans? Charlotte, c'est bien goûté. C'est de la viande. Ouais. C'est pas l'air fini. Ok. Je vous laisse deviner et puis vous... C'est un peu comme, mais c'est délicieux. Ouais. Ça vous plaît? Alors ça s'appelle shomai. Shomai, et c'est un héritage chinois. D'où le nom. Un petit peu de piment aussi. Ouais, dans la sauce, c'est vinaigre, ail, piment et sauce soja. Ça vous plaît? Ouais. J'ai pris la sauce basse, ça remonte bien quoi. Ça vous plaît? C'est super bon, c'est et vous représentez le Canada. Juste là, ouais. Wow, trop bien. Et vous allez venir goûter la tarte au l'érable. Ok. La petite tradition, il y a toujours une dernière pièce à chaque fois, à la fin des repas aux Philippines. Donc là, on va laisser le dernier shomai, comme dans la tradition. Oh. Sirop d'érable, aucun sucre rajouté. Je ne suis pas doué pour le servir. Mais vous allez voir, ce sera très bon. Et voilà, c'est la fin de la dégustation. It's the end of this food tasting at Le Village de la Gastronomie. As you can see, it's the fullest food stall. Qu'est-ce que ma sarape? Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Hope you enjoyed and see you on the next video. So don't forget to leave a like, comment. Et comme Yanis, ma sarape!